salut tout le monde, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors on va à Thionville avec Mathilde, c'est Mathilde qui conduit. Est-ce que tu veux dire bonjour? Bonjour. Donc, pourquoi on va à Thionville? Parce qu'il y a un petit magasin de jeux indépendants, un petit, ouais, tout est relatif, il est quand même assez grand. qui s'appelle Golden Games. Alors je vais pas vous faire une interview du vendeur comme j'ai pu le faire avec Childeric à Stargame Rotel. Par contre, j'ai demandé l'autorisation du vendeur pour pouvoir filmer dans son magasin, et donc je vais essayer de vous le présenter autrement et aussi de vous présenter les achats que j'aurais pu faire dedans si j'en fais. Allez, à tout de suite.
Alors donc voilà, on revient de Thionville, alors, un super magasin, franchement on était très très bien là-bas. Il y a plein de choses à voir, plein de belles choses. Du coup j'ai acheté quelques pépites, dont un cadeau de ma petite chérie d'amour qu'elle m'a fait. Alors je vais vous montrer le jeu que je me suis acheté, et ainsi que le jeu que ma chérie m'a offert. Alors le premier c'est Moonlighter, c'est un jeu que je ne connais pas du tout. De toute façon, c'est que des jeux que je ne connais pas du tout. Voilà, ça c'est Moonlighter. Un petit jeu Switch. Ma chérie m'a offert aussi un autre jeu. Donc, oupla. Pardon, la voiture, ça bougeait un peu. Nightmare Boy. Un autre jeu Switch que je ne connaissais pas, en version collector en plus. Merci ma chérie. Et le dernier jeu, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau pour mes amis vosgiens, Didine et Gégé. J'espère que ça leur plaira. Quand ils vont le voir, ils vont dire, bah oui, c'est évident qu'ils nous ont offert ça parce que c'est un jeu que j'adore énormément. Donc c'est un jeu que j'aimerais leur faire partager. J'espère que ça vous plaira. Je vais leur offrir bientôt à la Pixel Day. Alors sur ce, je vous dis salut, peut-être qu'ils vous le montreront. Allez, bisous.